Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wikidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir demander votre carte métro rapidement et simplement. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire. Si vous ne le savez pas, métro, donc c'est un centre de grossiste où vous pouvez acheter plusieurs choses, donc que ce soit aliments, boissons, informatique, enfin du matériel informatique, matériel pour bureau, etc. Décoration, pardon, en gros. Voilà. Mais en fait, il faut avoir une carte métro pour y aller, et surtout il faut avoir une entreprise, c'est-à-dire être soit donc chef d'entreprise ou soit avoir la profession adéquate pour pouvoir demander une carte métro, c'est-à-dire avoir un numéro de ciré de sirène. Voilà, donc une fois que tout est fait, que vous avez bien compris ça, je vous invite à aller sur le site mon.metro.fr, à vous enregistrer, donc mettez une adresse mail et un mot de passe. Mot de passe, donc 8 caractères minimum, des chiffres, des lettres, des majuscules et des minuscules, ainsi que des caractères spéciaux. Une fois que c'est fait, on va arriver sur cette page, donc finaliser mon enregistrement. On va cliquer sur demander une carte métro comme ceci. On va devoir donc un extrait du registre du commerce, donc votre cabis, une pièce d'identité du représentant légal et une lettre de procuration et pièce d'identité. On va cliquer sur demander une carte métro. Et là, vous allez donc devoir répondre à des donc questionnaires, c'est-à-dire votre numéro de sirène. Voilà, vous allez mettre. Voilà les 9. Donc moi j'en mets bien évidemment au hasard. On va cliquer sur. Voilà, vous voyez que je ne peux pas donc mettre de faux numéro de sirène pour continuer. Mais voilà, donc vous allez devoir mettre votre numéro de tiret, sirène, les informations de votre entreprise, votre nom, prénom, ainsi que les informations comme le cabis, mais également des informations telles que vos papiers d'identité, c'est-à-dire passeport ou carte d'identité. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur faire ma demande. Vous recevrez donc une notification sur votre adresse mail et vous pourrez donc recevoir votre carte métro. Alors vous recevrez votre carte métro pas en physique, mais via votre adresse mail, vous aurez les identifiants pour vous connecter. Et sur l'application métro, il y aura votre carte métro. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour pouvoir demander votre carte métro rapidement et simplement. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager ce tuto à une personne qui désire connaître cette astuce. C'était la chaîne Wikitéo, à bientôt.